Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog de ma première compétition de cette saison qui va être en Croatie. Du coup, là, on va faire un petit voyage avec Lola, Mathis, Erika, ma maman. Et c'est parti, là, on va commencer à préparer les valises car on est le jour où on part. On part aujourd'hui à 14h45 de chez moi. Et là, il est 11h et non, je suis pas douchée, j'ai pas déjeuné. Et j'ai pas préparé mes valises. Et rien du tout en fait. Du coup, on va se dépêcher. C'est parti. Coucou, du coup, là on attend l'avion. Salut. Et du coup, il devait décoller à 17h45. Là, il est 19h et on attend toujours. Normalement, ils vont commencer à embarquer. Mais c'est pas sûr. Et j'espère que quand on va décoller, il y aura le coucher de soleil. Normalement, oui. On se retrouve dans l'avion. Voilà, là on va rentrer dans l'avion. C'est le coucher de soleil presque, regardez. On monte. Mon frère et ma soeur ils sont en stress, c'est la deuxième fois qu'ils prennent l'avion. Ça va mon Erika, on a l'habitude. On est des habitués de l'avion. On est in de l'avion. J'espère qu'on aura le coucher de soleil. J'espère qu'à côté de nous, il n'y a personne. Parce que j'ai pas envie d'être avec quelqu'un. Et j'ai pas envie qu'il demande d'être à la fenêtre parce que ça c'est hors de question. Pour finir, je pense qu'il y a tout le monde dans l'avion et il n'y a personne. Donc ils voient s'il y a bien un adulte avec 7 personnes. Ils m'ont rien dit, ils pensent que c'est une adulte. Je fais grande. Et du coup, je suis toute seule avec mon gastro. Et je vais m'en occuper très bien. Ouais, c'est ça. Ça verra. Là on est dans les airs, il y a la lune avec le beau coucher de soleil, c'est magnifique. Erika elle joue à... Et Lola elle joue à... Toka Boka. Et moi je regarde le film du Roi Lion. Et voilà. C'est passé vite en vrai. Ouais. Ça passait plus vite le temps qu'on a attendu 2 heures juste pour le coucher. C'est vrai. Voilà, on est arrivé. Youhou, il fait chaud. Embrasse. C'était horrible, il y avait de l'orage comme vous avez vu juste avant. Il y avait de l'orage, hein. Vous pouvez même pas imaginer comment. Et il fait chaud. Oui, c'est ultra chaud. Alors que c'est le soir, il est 21h30. Le chauffeur il nous attend depuis 2 heures, il doit mourir. Il doit être trop fatigué. Regardez, on est dans l'aéroport. On est... Regardez. C'est toute une valise. Tout l'aéroport, il est filmé, il est fermé, genre. Tout fait noir, regardez. Du coup là on a trouvé le chauffeur et là il paye. Regardez. Il fait chaud, hein. Il pleut un peu mais il fait chaud. Il fait 20 degrés. Même plus je pense. Je vais regarder combien il fait mais il fait ultra chaud. C'est chouette, ça sent. Ça sent le thé, ça sent les vacances. Demain la journée libre. Samedi, le matin on va pour Erika, l'après-midi journée libre. Et le dimanche, le matin journée libre. Grâce mat et l'après-midi je passe. Il y avait de l'orage, je vous jure, j'avais trop peur. Hein. Erika me tenait. Oh, c'est un grand bus. C'est ça? Youpi. Je suis trop contente. On est arrivé, là on est dans le taxi avec le chauffeur. Et c'est parti, direction de camping. On espère qu'il est encore ouvert. Parce que sinon, je sais pas comment. Voilà, on dort dehors. Voilà, on arrive à la réception. Il dehors, il trage. Oui, oui. Il drache ultra fort dehors, il pleut à fond quand on va marcher. Ça va être horrible, il va faire froid. Et moi, j'ai même pas de kawaii. Oh, ça faudrait que je prenne mon kawaii, je le mets. Ouais, on va mettre le kawaii. Coucou, là c'est le matin. Et regardez, on est à la plage. C'est ultra beau. Ça donne trop envie d'aller dans l'eau. L'eau, elle est parfaite. Il n'y a même pas une vague, rien du tout. En plus, il fait chaud. Oui, hein. Moi, je suis en t-shirt. Il fait 18 degrés. Il y a le soleil juste derrière ma tête. Regardez l'eau. Moi, je vais ramener des pierres pour la Belgique. Et on va à la mer, puis après, on va aller au supermarché pour déjeuner.
On va déjeuner un peu et après on va aller, on va prendre le taxi et on va aller visiter un peu hein, pour montrer à mon frère et ma soeur. Ouais, si ça nous mouille. Regardez, c'est comme ça. Il y a aussi de l'eau. Moi, je suis en claquette. Bon, on vous laisse. Je vais vous montrer des beaux plans du paysage. Bien ici pour la nature. C'est vrai. Oh, tu vois, je t'avais dit qu'il y aura un groupe de poissons. On est occupé à déjeuner. Moi, j'ai pris un pistolet avec du chocolat et un jus de pomme. Erika, elle mange des Kellogg's Lion, un jus d'orange. Lola, Kellogg's Lion, un jus de pomme. Mon frère, il mange des lions et ben moi elle boit un café avec un jus d'orange. Bon appétit. Voilà, là on vient de sortir de l'enfer. On était dans un bus, les mamies elles se couchaient sur le bus, c'est horrible. Du coup là on a pris le bus, mais pour le retour on prend pas le bus. Ouais, c'est des filles. Et du coup voilà, on est enfin sorti, je suis libre. La femme elle était couchée sur moi, horrible, on était tout serrés. Maintenant on va aller visiter, ça va être trop beau. À chaque fois qu'il y a des choses belles et tout, des beaux bâtiments, je vous... Coucou, là on est dans le magasin Allez Hop et il y a plein de doudous. Et moi et ma soeur on va en acheter un, mais on sait pas lequel. Regardez. Et regardez, il y en a encore ici. Ils sont trop bien. Je vais vous montrer dès que je sors lequel j'ai pris, mais ça va être compliqué. Pour finir, j'ai décidé et je vais prendre la loutre. Regardez, c'est là, on a retrouvé notre dent. Vous avez battle flip. On les faisait contre le mur là. Je me souviens. Il fallait essayer de réussir une fois en battle flip. Ouais. C'était trop bien. Il y avait même des... Nous, on a marché là-bas. Il y avait des gens qui revenaient de l'école. Il y avait des géants fourmis. Vraiment énormes. Ouais. Voilà, là, on est arrivé. L'année passée, on était juste là. Ça marche. Il y a plein de dames. Voilà, là, on est dans l'église. Du coup, c'est l'église Saint-Donat à Zadar. Là, on a monté le premier étage. Pour l'instant, on voit que ça. Je peux pas vous montrer mieux parce que voilà, c'est dans la grille. Mais on est ici. Regardez. On n'est pas très haut, mais on va encore monter. Hop. C'est assez mignon. Il y a plein de gravures, on a envie de graver, mais on n'a rien, du coup, autant plus. Et là, je pense qu'il y a encore des étages. Là, on est monté plus haut, vous voyez. J'ai ultra le vertige. Coucou, là, on a reçu notre plat. Du coup, moi, j'ai pris un hamburger avec des frites et de la sauce paprika. Erika, elle a pris tout le frites. Lola aussi, mon frère il a pris la même chose que moi et ma maman elle a pris un truc avec du parmesan, je sais pas quoi. Bon appétit. On a pris une glace, moi j'ai pris au melon. Erika et Lola elles ont pris Kinder Joy. Ma maman elle a pris Nutella et mon frère il a pris ananas. Elle est ultra bonne. Maintenant c'est tout orange. Coucou, là on s'est mis en maillot, du coup moi là je suis en maillot avec mon pull et on va aller dans la mer. J'espère qu'elle est pas trop froide. De toute façon je vais d'office au moins rentrer une fois dedans et au pire si elle est trop froide je sors direct. Mais je rentre au moins une fois dedans. Ça j'ai promis une fois entièrement. Piscine terminée, comme vous voyez le ciel devient gris, du coup go la mer avant qu'il y ait de l'orage. C'est vraiment froid, on a fait les deux toboggans là comme vous avez pu le voir juste avant. La piscine est incroyable et maintenant on va aller dans la mer vu qu'on est bien mouillé et qu'il fait bien froid. Voilà, là je suis sortie de la mer, elle était froide, plus froide que la piscine. C'était ultra dur à aller dedans mais je me suis dit vas-y go one life, on saute. Du coup je suis sautée deux fois et après je suis sortie. Maintenant on va retourner à la piscine parce qu'elle est plus chaude et les autres ils veulent aller. Et moi je restais dans le transat et tout pour me reposer. Du coup voilà, là on a pris notre douche, là on a terminé et on va se reposer pendant quelques temps. Je sais pas combien de temps, ma maman est partie à acheter de la charcuterie et du pain. Et nous on va regarder notre thème. Moi j'ai regardé une vidéo de Michou et Erika elle joue à TikTok. Alors regarde TikTok.
Là, les filles, elles sont en train de jouer au jeu dino. Ah. Elles sont pas courtes. Elles veulent que je meure, quoi, vraiment. J'ai une tête comme ça. Coucou, là, on est dans le taxi. J'ai terminé de maquiller et faire le film à Erika. Et on est direction la compétition, jour numéro 1. Ça va être autour de Erika de gérer. C'est ultra grand. Et là, c'est une piscine. Ah non, c'est un truc pour jouer l'eau, ok. Wouh ! Allez, Erika ! Coucou, là on a fini la compétition avec Erika. Ça va, elle a fait mieux, presque, elle a fait mieux qu'à la gym. Elle a juste raté quelques bêtes trucs. Maintenant on se dirige vers le magasin pour acheter à manger parce qu'on a trop faim. Là on est en train de marcher pour aller. On est dans le camping. Le sel il est tout bleu. Attendez, je dois faire un focus. On dirait un. Tu vois les bonbons là ça. C'est ultra beau. Maintenant il reste plus qu'un jour de compète demain et c'est pour moi. Ma tête de mélancolique. Voilà, là on est sorti, on est dans le parc du camping et là ils sont en train de voler comme vous pouvez le constater. Et voilà, et moi je suis là, j'attends que ce soit à mon tour. Voilà, on va rester un peu au parc et je vous reprends quand on fait quelque chose d'intéressant. Coucou, là c'est le jour numéro 3, on s'est réveillé à 9h, on a déjeuné, on s'est apprêté et maintenant on est à la plaine de jeu. Sur les balançoires, Erika et mon frère essayent d'aller dans l'eau alors qu'elle est congelée et nous on profite de la balançoire. Go! Voilà, là c'est midi et on a pris à manger. Moi j'ai pris des pâtes bolo, ma soeur aussi et mon frère aussi. Et Erika elle a avec et voilà, après ça on va aller à la caravane et je vais commencer à me préparer. Coucou, là on est dans la voiture, j'ai fini de m'apprêter, j'ai fait mon chignon et mon maquillage. Et c'est parti, on est direction de la salle. Allez Mary!
Voilà, la compète est terminée. Je me suis démaquillée, j'ai enlevé mon chignon et maintenant on est venu manger. J'ai pris de la viande avec des frites. Mon frère, il a pris un géant burger. Erika et Lola, elles ont pris leur sponge burger comme d'hab. Et maintenant, on mange. Et ensuite, on prendra notre piste. Là, on vient d'atterrir. On est en Belgique et il fait froid. Oh, c'est pas cool, ouais. J'ai envie de rester en Croatie. Du coup, voilà, le vlog se termine ici. On fait des bisous. Abonnez-vous à mon compte Instagram et mon compte TikTok, à ma chaîne. Et activez la petite cloche. Mettez des pouces bleus si vous avez bien aimé ce vlog. Et bisous, ciao.